الطرف سيطال سو ان لونغور دو 87,725 دون 3,075 كيلومتر ليفري على سيركيلاسيون. Nous avons des poteaux électriques de moyenne tension et haute tension. Pour l'échangeur numéro 5 de Annaba, nous avons trois conduites d'eau, l'une est d'éclairage public, l'une est fibre optique. Pour l'échangeur numéro 4, cet échangeur, voilà, nous sommes ici, l'échangeur numéro 4, nous avons une conduite de gaz dans le giratoire de la reine 16, voilà, et une fibre optique, non levée jusqu'à maintenant. Pour le projet, le reste du projet, 354, nous avons deux conduites de vidange. Ça, c'est un problème d'exploitation. C'est-à-dire, le futur, les conduites ne bloquent pas les travaux, mais les problèmes se posent au niveau de l'exploitation des conduites. Parce que le traitement terrain, l'autoroute peut être inondée. Voilà. Pour l'échangeur numéro 3, de l'Ac des Oiseaux, nous avons une chambre à vanne d'eau. Et deux, une conduite 1000 et deux conduites 600. Les travaux de la partie entre gare de péage et la reine 44. 391 jusqu'à 397. Nous avons deux contraintes. Nous avons un raccordement de conduite d'eau 1400 et nous avons la protection des conduites d'eau 1200. Mais entre autres, nous avons travaillé entre les conduites. C'est-à-dire nous avons fait des acrobaties pour avancer. Échangeur numéro 2, c'est le changeur du chef-lieu de Tarf. La ville de Tarf, nous avons un poteau électrique dans l'emprise de la Bretelle et une conduite de gaz longeant la reine 82 sur le giratoire. Les deux non levés. Et dans PK 406 jusqu'à PK 408, nous avons des lignes en MT, le garde-sol insuffisant. On ne peut pas travailler là-bas. Travaux en cours par Sonergaz. L'entreprise compte, Inch'Allah, finir le projet juin 2021. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.